bien, salut à tous et à tous, c'est BNK, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier commentaire sur la chaîne de la Obscure Clan et ça me fait vraiment super plaisir d'avoir intégré cette team, donc déjà sachez-le, j'étais auparavant dans la Dixa Clan, donc voilà, tout simplement, je donnerai pas les raisons de mon départ ou quoi que ce soit, donc voilà, tout simplement, j'avais envie de monter un petit peu, mais bref, on va pas s'étaler sur le sujet, on va tout simplement présenter le gameplay. Le gameplay, c'est tout simplement, gentiment, voilà, on vous présente un petit World First, donc c'est une nucléaire au brico-pisto, donc ça fait vraiment super plaisir, donc je me rappelle plus exactement le nom de la map, à savoir justement que je n'ai pas le jeu, je n'ai pas Call of Duty Black Ops 3, je n'ai tout simplement pas la PS4, donc excusez-moi si je ne connais pas le nom exact, par exemple, des armes, etc. Bref, quand bien même que j'ai le vocabulaire nécessaire pour vous parler de la performance, etc., en général, et j'ai le vocabulaire nécessaire sur Call of Duty. Donc, voilà, donc tout simplement, aujourd'hui on va vous parler d'Infinite Warfare, donc d'Infinite Warfare, ce que vous pensez tout simplement du jeu. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que ça va être une année un petit peu morte sur Call of Duty. Donc, à voir que, on fait plus de vues sur l'Obscure quand on sort une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 que lorsqu'on sort sur une vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare. C'est une chose assez étonnante, car même au début d'AW, la plupart des chaînes performance faisaient plus de vues sur le nouveau Call of Duty, ce qui est plutôt normal. Les gens cherchent la nouveauté, ils la cherchent, et c'est justement ce qui va attirer les vues. Vous allez, dans la logique, on pense faire moins de vues lorsqu'on va utiliser un sujet qui a déjà été traité, qui a déjà été traité de fond en comble, et surtout pendant toute une année sur Call of Duty qui a plutôt bien marché, entre guillemets. Et là, justement, c'est l'inverse, quoi. Vous pouvez voir tout simplement les dernières vues de la Obscure. La Obscure, on a fait, donc il me semble, peut-être 6000 vues sur la dernière vidéo qu'on a fait sur Black Ops 3. Et c'est quelque chose d'assez impressionnant, étant donné que c'est le dernier Call of Duty, quoi. Le dernier Call of Duty, on a fait moins de vues que la dernière vidéo qu'on a fait sur Black Ops 3. Et bon, bref, moi, je trouve que c'est pas quelque chose qui soit assez... pas quelque chose qui soit normal, entre guillemets. Mais bon, c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre, malgré le fait que donc Infinite Warfare ne soit pas un mauvais jeu. Donc là, je parle d'un avis qui va être totalement subjectif. Mais voilà, tout simplement. Donc après, donc ce que je pouvais vous dire donc au niveau du jeu, c'est qu'on espère tout simplement que Code 4 va relever le niveau. Donc on va avoir des news assez assez importantes qui vont vous plaire. Donc des bons sujets de vidéo, entre guillemets, de la possibilité de réaliser de bons gameplay. Donc pour l'instant, le jeu semble plutôt correct, mais donc voilà, le truc, c'est que même si le jeu paraît correct, avec la masse de dislikes qu'il a eu sur le trailer, etc., le nombre de retours négatifs qui a été assez impressionnant tout de même, c'est vraiment très très dur de faire en sorte que les gens s'y intéressent. Donc c'est-à-dire on a eu cet effet de masse, donc si on peut appeler ça comme ça, un effet de masse qui a fait que les gens se sont totalement désintéressés du jeu, on a suscité une certaine haine envers ce jeu-là, et même si les vidéos sont de qualité, on va avoir une partie de la communauté qui va ne pas regarder ces vidéos-là ou qui va préférer se tourner vers du contenu, vers du Call of Duty Black Ops 3 ou même, je ne sais pas, peut-être d'autres Call of Duty. C'est quelque chose qui est tout à fait, entre guillemets, normal pour, étant donné les mauvais retours qu'il y a eu sur le jeu, mais néanmoins pas juste, étant donné que le jeu, comme je vous le dis précédemment, c'est peut-être pas un jeu qui vaut 70€, c'est peut-être pas un jeu qui correspond aux attentes, qui est à la hauteur des attentes, mais ça reste quand même un jeu qui n'est pas mauvais. Vous voyez, c'est, je trouve pas que c'est un mauvais jeu comme il peut être souvent dit sur les différentes vidéos YouTube que vous pouvez trouver sur les différentes chaînes, etc. Moi, franchement, je trouve que on crache beaucoup dessus, mais ça reste quand même un jeu qui va être plutôt correct. Donc voilà, tout simplement. Donc on compte vous proposer des vidéos sur Call of Duty Black Ops 3, donc en priorité. Donc jusqu'à ce que le jeu officiel sorte, parce qu'on voit justement que les vidéos sur Infinite Warfare ne fonctionnent pas énormément, et c'est quelque chose justement, bon, qui est regrettable, parce que c'est le nouveau Call of Duty. Et bon, si vous préférez le contenu sur Call of Duty Black Ops 3, c'est justement ce qu'on va faire, on va faire du contenu sur Call of Duty Black Ops 3. En tout cas, c'était BLK, j'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, ma chaîne sera dans la description, ainsi qu'au player. Donc je rappelle encore une fois son nom, le player c'est Kawa, donc encore une fois, un gros GG à lui. Et peace.